Les enquêteurs passent les lieux au peigne fin. Ils tentent de récupérer des traces, des indices qui permettraient d'identifier les auteurs. Le braquage a duré 4 minutes seulement. 14h55, un couple d'individus entre dans cette bijouterie de montres de luxe du centre de Paris. Un homme et une femme, tous deux âgés d'une trentaine d'années. Sans masque ni cagoule, ils menacent les employés. L'homme porte un long manteau noir, il l'entrouvre et laisse deviner la crosse du pistolet qu'il porte à la ceinture. Pendant ce temps, sa complice s'empare d'une vingtaine de montres. Aucun coup de feu, aucun blessé, l'arme n'est pas dégainée. Pas de violence commise, simplement une menace. L'arme n'a même pas été vraiment exhibée, il a seulement exhibé la crosse de son arme. Ça se passe très très vite, maintenant de là à vous dire si c'est des amateurs ou des professionnels, l'enquête le déterminera. Les deux individus partent ensuite en courant, tout simplement, avec un butin léger, peu encombrant, mais qui vaut son pesant d'or, 800 000 euros environ. La police compte exploiter les images de surveillance du magasin et celles de la ville de Paris pour tenter de retrouver les braqueurs.